Hi. Decided to make another video. I went back to see a record collector that I met Saturday morning selling records at the yard sale. See my other video for that. And he allowed me to go in his home and buy more records from his collection of records for sale. And this is another side of me as a collector, because none of these records were under $2. And I went up to 10 bucks for one record in there. But it's worth splurging sometimes. This video will be in French and in English. Au diable le ski, après ski, avec les askis. Bonjour les copains, son éminence le cardinal. Marquez pas sans sourire. En tout cas, c'est le genre de disque kitsch que j'adore trouver. 2$, j'ai payé ça. Un autre disque à 2$. Jeanne-Mance Cormier. Très intéressante. C'est le deuxième disque de elle que je trouve. Oui, d'autres photos de elle. Yeah, very special. See, this is the cover of the other record by her that I found already. $2. Ça, c'est évidemment ceux qui se rappellent, ceux qui ont mon âge. C'est Yami Kwan, l'Indien de l'émission de Patoff. J'en avais une seule autre copie qui était bien scratchée. Celle-là est scratchée, mais beaucoup moins que... En fait, elle n'a pas très scratchée. Elle a juste une grosse scratch à une place. Puis beaucoup plus propre que l'autre copie que je possède. Ça, je pense qu'il me l'a fait à 3, mais il me l'a fait à 2. Puis ce que je suis très très content, c'est que les paroles sont dedans. Ah ouais, ça. Voilà, c'est pas mal rare ça. Chantez avec Yami Kwan, Koi Koi Ayaho. Les paroles sont toutes là. Puis dedans, je pense qu'on voit une annonce d'un livre de Patoff. Je le vois, ouais, ouais, Patoff en Chine. Une annonce pour le livre de Patoff qui était disponible. Là, j'ai payé ça 2$, pas mal content. Lionel Lespierre, les duettistes Lionel Lespierre. J'ai un 78 taux. Attends, c'est-tu eux autres? En tout cas, c'est ceux qui ont fait un disque sur étiquette Fleur de Lys. Puis je pense que je l'avais déjà vu celui-là, mais en tout cas, c'était ma chance de l'entendre enfin. Carlinga, Petite Étoile, Le voleur de parvenu. Je suis la voisine d'à côté. Avez-vous vu mon pot? En tout cas, j'ai. Pas en parfait état, quelques égratignures. Il était à 4$, mais il valait la peine. Je voulais vraiment l'avoir. À 4$, j'ai aussi trouvé, enfin, le disque de Serge Turbide. Il y a une vidéo qui apparaît de temps en temps sur YouTube. Mademoiselle Josée, c'est le danseur aux jambes de caoutchouc. Et ça vient de lui. There's a video on YouTube. Sometimes it's there, sometimes it's taken off. Of a dancer with rubber legs. That's the guy, and the song is on this record. It's called Mademoiselle Josée. I was very happy to get this for $4. Very good price, and the condition is not bad. There's only one hairline scratch in one song. Thankfully, it's not Mademoiselle Josée, so I was glad to get this one. Little joker there. Very happy to find this. And got this for $5. I yoinked it right away. And of course this is a sale from one of the cartoons directed by Chuck Jones in the 60s for MGM. Condition is very good. The sleeve is a little bit yellowed, and but it's okay. There's no big huge damage on it, so I was glad to pay $5 for that. Ça, c'est une compilation que j'ai payé $7 pour un album double, juste pour avoir une chanson. En fait, il y avait le volume 1 aussi, ça c'est en direct de l'écran volume 2 sur Barclay. L'autre, je l'ai laissé là, c'était pour compléter la série. Mais celle-là, je devais la prendre pour avoir La Scoumoun de François Droubet, qui est la chanson thème du téléroman de Télémétropole des années 70, Le Clan Beaulieu. Parce que Télémétropole utilisait beaucoup de disques pour la chanson thème de leurs émissions de télévision. Et ça me le prenait absolument. Et these are records I decided to take off the pile because they were too expensive, but then he reduced the price. He said, oh, I'll let you have this one for $2. Bill Black's Combo, King of the Road. And il me l'a laissé à $2, c'est Johnny Hallyday, Rêve et Amour. Le disque a une très mauvaise égratignure dessus, une chanson qui ne peut plus être jouée. Moi, c'était surtout pour la pochette que je trouvais vraiment intéressante, malgré les deux stickers qu'il y a dans le coin. Là. Mais trop tripante la pochette. J'ai jamais vu ce disque-là. Pour $2, ça avait plus de bon sens pour une pochette. $3 pour celui-là, $3 for this one. Surprise Party, Twisted Rock, a French record. And the reason I had to get it even for $3, la raison que je devais le prendre pour $3, c'est pour la version française de
de Quand je te vois, Pretty Little Angel Eyes. I'm hoping right now that it's a French version and not an instrumental version. I'll find out when I play it. But I was very curious to hear this version of Pretty Little Angel Eyes. And ensuite, j'ai eu quelques 45 tours rares, mais en excellent état. Je collectionne les disques de Jacques Desrosiers qui a fait Patoff. Ici, il est pas en Patoff, il est en Jacques Desrosiers. C'est avant Patoff. Les cigarettes et Un homme malade, 4$. Mais il est en parfait état. Un autre disque de Jacques Desrosiers en parfait état. Tu te laisses aller, la chanson de Aznavour. Puis fais-moi hi! 4$ aussi, mais ça valait la peine, je le voulais. Puis ça, j'étais content. Ça, je le voulais. Marinette par Denis Pépin. Ça, la copie française est sur l'étiquette Warner Brothers. Mais ici, au Québec, elle est sortie sur Gamma. Le disque étant impeccable. J'étais super content d'avoir ça pour 4$. Puis il m'a fait un spécial pour un disque que j'hésitais à prendre, qui était en pas pire état pantoute. Jacques Desrosiers, Il y a des bébites. Qui est la version française de The Birds and the Bees. Mais c'est pas lui que je voulais. Celui que je voulais avoir, c'est toi et mon cibole. Ma copie a tout scratché, mais en tout cas, un jour je vais l'avoir. Et celui-là, this one cost me only 10 bucks instead of the marked price of 15 bucks. He instantly agreed to lower the price for 10 bucks, which was just the price I was willing to pay. 15, I wasn't not going to take it. 10 bucks was just right. By the way, this looks like a spot. It's not on the record, it's a shade. So yeah, it adds up pretty fast when you pay more than $1 per record. This stack cost me 58 bucks, but I splurge maybe once or twice a year on records that are more than $1. So pretty good stack. Going to have fun listening to these records. Bye. Hey, I don't want to show the rest of my room.